Bonjour, je m'appelle Camille Zoé Valcourt-Sinotte, puis je suis l'artiste. L'exposition est composée d'impressions digitales de lettres d'intention que j'ai écrites pour des vrais jobs auxquels j'ai appliqué. Puis il y a aussi une série de to-do lists, puis un dessin au mur, puis il y a aussi 9 vidéos dans l'exposition. Puis tout ça, c'est comme une réflexion par rapport au... à la réalité d'être une travailleuse dans les arts, puis le fait que c'est un monde qui est, puis un contexte professionnel qui est assez précaire, puis ça fait que, tu sais, vu que la durée de ces contrats-là sont souvent courts, c'est un processus d'application qui se répète tout le temps, puis que c'est vraiment comme ça arrête jamais. Puis dans le fond, c'est ça, je réfléchissais beaucoup à, tu sais, comment tout ce temps-là que je mets dans juste avoir un emploi, avoir un contrat, va pas dans ma pratique artistique. Puis dans le fond, l'exposition est comme une façon de tourner ça puis d'utiliser tout ce travail-là, dans le fond, comme ma pratique. Dans l'exposition, il y a une série de to-do lists que j'ai accumulées depuis le début de la planification de l'exposition. Fait que vous pouvez voir différentes pages en lien avec ça, mais aussi avec ma vie personnelle. Puis c'était un peu, c'est ça, une réflexion par rapport à la productivité aussi, puis à, tu sais, est-ce que ces listes-là sont vraiment, nous aident vraiment ou nous mettent de la pression? Fait que c'est un peu une réflexion par rapport à ça. Puis la vidéo, c'est, vous voyez dans le fond, c'est un screen capture qui documente toute l'écriture d'une de ces lettres-là, une lettre d'intention pour un emploi. Fait que vous pouvez voir, c'est ça, de A à Z, l'écriture de la lettre, avec le son du clavier, mais aussi avec mes propres commentaires quand je me tanne. Puis, puis c'est ça, fait que vous avez accès comme à un behind the scenes de l'écriture de ces lettres-là.